Que fait-il bon de bon matin, de s'abreuver, de ce doux nectar, de rosé? Et bienvenue à vous aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur Medieval Dynasty. Nous sommes de retour dans ce jeu incroyable, ce jeu de survie, ce jeu de gestion, ce jeu de construction, ce jeu de tous les mecs. Donc alors que je vous montre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi je me retrouve ici, c'est tout simplement parce que j'avais grand soif. Souvenez-vous, c'est comme ça qu'on s'est quitté dans la vidéo précédente. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une petite rivière et qui coulait pas loin de la maison, vous voyez. Et donc du coup, j'ai suivi la route jusqu'au sud et puis je suis tombé dessus, tout simplement. Comment c'est que je suis en surpoids comme ça? J'étais en train de voir s'il n'y avait pas moyen de choper de la paille. Oh mon dieu, je suis parti avec mes 9 rondins. Bon, attendez, c'est pas grave. Il suffit juste qu'on se dirige vers le nord, voilà, et puis qu'on rentre à la maison à cette vitesse. Ah oui, il est 4h17 du matin, en fait. Et ça commence déjà à faire jour. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Iti piti piti. Eh bien, regardez, on arrive enfin à la maison. Après ce long chemin. Oui, non, c'est assez long, surtout à cette vitesse. Hein. En fin de compte, c'est pas si loin que ça. C'est juste qu'en marchant à cette vitesse, bah ça fait long. Bon, en tout cas, les gars, les filles, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. N'oubliez pas toujours pour soutenir la chaîne, hein, on n'oublie pas le big like sur la vidéo, ça me fait plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour connaître toujours la suite des aventures. Écoutez, on va décharger tous les rondins déjà, comme ça tout est par terre, c'est impeccable. Ah ben on se sent plus léger mon gars d'un coup, tu m'étonnes. 18 kilos sur 35, bah je veux bien te croire. Ce qu'on va faire, je vais couper un peu de rondins, parce que bon, comme vous l'avez vu, c'est beaucoup de farm. Niveau suivant, extraction. Yes, c'est parfait. Eh ben mon vieux, je crois que j'ai foutu un peu de bordel. Bon, on va ramasser tout ça. Oh, tu te calmes, hein. Eh, alors, voilà. Bon, déjà, je viens de faire un petit stock de pas mal de rondins. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis empoisonné? Oui, c'est parce qu'à l'instant, en voulant décharger mes rondins, je viens de manger une mûre qui était très certainement pas fraîche. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre... parce que, voilà, je sais que par là, il y avait pas mal de roseaux, de paille. On va aller à Gostavia. On va suivre le point d'exclamation. Voilà, c'est par ici, de toute façon. On va aller combler les quêtes. Si toutefois, j'en ai une que je peux faire. Non, je crois pas, même pas. Non, en fait, on va juste là-bas chercher de la paille. Eh ben voilà, nickel. Regardez, on est juste à côté du village. Alors là, clairement, on va faire le plein de paille. Hein. Voilà. Voilà, on va ramasser tous les roseaux, mon gars. Un niveau de survivant atteint, ok. C'est vrai que j'ai ramassé pas mal de paille pour le moment. Après, bon, vu que ça pèse rien, je profite pour en ramasser un max, hein, tant que je suis là. Bon, après, j'imagine qu'il y en aura très certainement d'autres sur la map. Hein. D'ailleurs, la map, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais elle est vraiment énorme. Hein. Ça a l'air, en tout cas. Bon, voilà, je pense que j'en aurai assez, clairement, pour le moment. J'en ai combien? J'en ai 80. Donc voilà, j'ai déjà bien farmé ici. J'en profite le temps qu'on retourne à la maison pour vous dire que si vous voulez soutenir la chaîne, toujours n'oubliez pas, si le jeu vous intéresse, d'aller checker le petit lien G2A dans la description avec le code Jolat, bien entendu. Vous aurez le jeu, bien entendu, moins cher. Je ne sais pas si je me dirige dans la bonne direction. Si, je crois que c'était tout simplement vers le sud, un petit peu sud-ouest légèrement. Voilà, donc c'est par ici. Du coup, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pelle en bois? Ben, je prends, mon gars. Un coffre? De la potion de force? Je prends tout, bien évidemment. Ok, est-ce que je peux ramener le coffre à la maison? Ramener le coffre à la maison. Allez, allez, allez. Non? Même pas, mon gars. Bon, c'est pas grave. On va continuer de monter tranquillement. Est-ce normal qu'il y ait des rondins ici? Et une hache en pierre? Bah, je prends. Rondin 100%, rondin 100%. Ok, il y a 3 rondins ici. Ouais, je suis légèrement en surpoids. Mais bon, après, en principe, on n'est pas très loin de la maison. Donc, ça va être vers le sud-est légèrement... Hop, voilà. La maison doit être par ici. Ok, bon, bah c'est cool. Regardez, on trouve des outils comme ça sur la route. Normal. Alors par contre, faudrait qu'on voit s'il n'y a pas moyen de faire un marquage boussole pour retrouver la maison à chaque fois. Parce que si je dois ouvrir ma map pour voir si je suis dans la bonne direction, ça risque d'être un peu galère. Ok, la maison est ici. Oh, regardez ça. Un gros lapin, mon gars. Il est tellement énorme. Il est gros. Les rondins. Hop, ça, on pose. Ensuite, on va pouvoir finir, je pense, de faire la maison. Voilà, il me manquait juste un petit peu de paille. Voilà, normalement, ça va être bon. Ah, il nous faut juste un rondin. Ok. Et voilà, mon gars. Alors, elle est pas jolie, celle-là? Oh, j'avais pas vu que 4 bâtons ici. Voilà, je suppose que c'est la même de l'autre côté. Exactement. Et je suppose qu'après ça, notre maison sera finie de construire. Eh oui, évidemment. Chapitre 2, un survivaliste. Les chapitres sont une série de missions qui apparaissent du début du jeu et vous présentent les mécanismes du jeu. Ils vous aident également dans les premières étapes de la construction de votre nouveau village. Terminer les chapitres vous permet de débloquer l'étape de développement suivante, qui détermine la limite maximale de bâtiments que vous pouvez construire. Ok, d'accord. Chapitre 2, un survivaliste. Tendre un piège, piège à lapin, épieu en bois, couteau en pierre, chasser un animal sauvage, survivre pendant une saison. Mais c'est du gâteau pour des survivants comme nous, ça. Bon, déjà, va falloir qu'on fasse un piège à lapin. Alors, clôture, porte, mobilier, décoration, route. D'accord.
Ah ouais. Ah mais c'est stylé, mais voilà les mecs. Ah je viens d'apprendre, ok. Voilà, comme ça je fais mon petit terrain et tout, tu vois. Voilà, ah bah c'est comme ça qu'on va pouvoir construire des villages les mecs. Ok, donc c'est comme ça qu'on défraîchit le terrain. Par contre j'ai la dalle, je viens juste de voir ça. Viande séchée, ça par contre. Voilà, on va prendre. Pomme, on va prendre. Du pain roulé d'avoine. Ah bah ça par contre mon gars c'était bon. Une morille, on va éviter de la manger celle-là, tu vois. Les marguerites. Oh, ça se mange. Les baies non mûres, c'est ça qui m'empoisonne à chaque fois. On va les laisser mûrir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bois de chauffage. Carrément, mon gars. La torche, la le couteau. Allez, direct. Voilà. Comme ça, ça c'est fait dans le chapitre 2. Le couteau, c'est fait. Tendre un piège à lapin. Et puis en bois. Donc, et puis en bois, ça va être où? Chasse, agriculture, machin, nana, élevage d'animaux. Donc, ça doit être là-dedans, les pièges à lapin. Pavillon de chasse. Niveau de technologie insuffisant. Survie 47 sur 50. Ah, je suis pas loin. Cabane de pêche. Oh là là, mais c'est énorme, les mecs. Entrepôt, service, production. Oh la vache. Abri à bois, ok. Abri d'excavation, d'accord. Des mines, des puits, des ateliers de herboristes. Des ateliers d'herboristes 2. Eh ben mon vieux, là j'ai un trop plein mon gars, j'en peux plus les mecs. Je veux dire au bout d'un moment j'accumule, faut que ça sorte quoi. Y a tellement de trucs à faire là, je comprends pas tout mon gars. Habitation, moi je voudrais faire un piège à lapin en vrai. Élevage d'animaux, des oies, des cochons, des poules, des ruchers mon gars. Oh. Mais on va jamais le finir, mon gars. On est encore dessus dans 10 ans. Et encore, peut-être que je suis optimiste. Non, mais plus sérieusement, les mecs, c'est où qu'on fait les pièges à lapin, là? Bon, attendez, regardez. Ce qu'on va faire, on va aller dans techno... On va aller dans compétences. Eh ouais, mon gars. Chasseur de trésors, connaissance en extraction. Ok, force de la nature. La chasse, connaissance en survie. J'augmente. Encore un point. Oh oui. Insensible. Oh oui, j'ai plus de poids. Ok, d'accord. Connaissance en extraction. Oh oui. Chasseur de trésors. J'ai plus de poids. Connaissance en chasse. C'est ça qu'il me faut, les mecs. Vous n'avez pas de points à dépenser. Bon, j'imagine qu'il faut que je coupe quelques ressources pour avoir des points à dépenser. Eh ben, c'est y part. Ah, voilà. Nouveau bâtiment déverrouillé. Entrepôt de ressources. Super. Top. Excellent. Voilà, des rondins, mon gars. Alors, si je fais ça, les mecs, c'est pour débloquer le niveau de survivaliste. Hein. Vous l'aurez compris. Bon, attends. Déjà, je vais aller poser ça. Donc, ce qu'on va faire, regardez. On va faire ça. Hop. Voilà. Nickel. Et je vais stocker tous mes rondins de ce côté-là. Et voilà. Impeccable. J'ai tout mis sur le côté. J'ai fait des tas de 5 rondins, en fait. J'ai tout splitté parce que sinon... Si vous voulez, je peux tous les réunir en un seul rondin. Mais ce qu'il y a, c'est que je peux pas faire un pas avec. Donc, au final, ça sert à rien. C'est mort. Mais elle est magnifique, cette maison. C'est vrai que j'étais même pas encore rentré dedans depuis qu'on a fini de la construire. Elle est magnifique, cette maison, les mecs. On peut dormir. Disponible dans un jour. Ouais. Dormir le lendemain. Dormir jusqu'à la prochaine saison. Ah ouais, tu... Carrément, mon gars, tu peux hiberner. Faudrait que j'y pense. On va dormir l'hiver prochain. Ok, d'accord. Porridge. Soupe. Bah, mais c'est énorme, mon gars. C'est énorme, ce qu'on voit là, là. L'événement est incroyable. Regardez, on a des coffres et tout. Oh là là, c'est... Terrible. On va tout mettre dans le coffre. Les plumes, en tout cas. La morille, elle va aller dans le coffre. La paille, elle va aller dans le coffre. Et mon argent, ça va rester sur moi. On n'est jamais trop prudent. Donc, maintenant, tendre un piège à lapin. Mobilier, décoration, feu de camp, machin, nana. Piège. Ok. Je l'ai vu qu'il se promenait quelque part par là-bas. On peut pas le mettre. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, on peut pas le mettre sur les routes. Donc, il est bon aussi de laisser un petit peu de verdure tout de même. Le piège à lapin est fait. Un épieu en bois. C'est quoi l'épieu en bois? Oh, stylé. L'éclairage, rondin, cuir, bâton, fil de laine. Un épieu en bois. Il nous faut un rondin. Ça tombe bien, j'en ai plein ici. Hop, je prends. Donc là, je fais ça. Hop, je vais là-dedans. Épieu en bois. Ok. Je suis en train de le faire. C'est parti de ma checklist. Et là, je fais quoi avec mon épieu en bois? Je l'ai dans mon inventaire. C'est quoi ça? Est-ce que genre c'est une arme ou... je pense. Clairement, mon gars. Chasser un animal sauvage. Bouge pas, mon gars. J'ai une centaine d'heures de jeu sur Call of the Wild. Je peux te dire que tu vas pas m'apprendre les rudiments de la chasse. Alors là, ma fifi, t'es très mal tombée. Je te le dis, t'es... Toujours faire la statue. Faire la statue, toujours. T'es très mal tombée, ma fifi. Attention, ça risque de piquer un tout petit peu. Saloperie, va. Ouh, attendez. Il va déjà moins se méfier. Il a l'air un peu plus con, tu vois. Merde. Ah, putain. Bon, attendez, c'est pas grave. Il y a peut-être moyen de faire un arc ou, tu vois, un truc comme ça, non? Eh, genre, je peux le lancer, ça? Bah, bien sûr que oui, mon gars. Bah, vous aurez pas pu me le dire plus tôt aussi, les mecs. Vous me voyez galérer, là, depuis tout à l'heure, là. Dites quelque chose, là. Prestige 10 sur Call of the Wild.
Putain, mon gars, il y a eu un lag. Il y a eu un lag, mon gars, il était énorme. Gros, tu vas forcément tomber au bout d'un moment. Je crois qu'il m'a semé. Je crois qu'il va me semer. C'est sûr, mon gars. C'est pas grave. Ah, ok, il est là-bas, il est là-bas. Regardez, il est là-bas. Ça se trouve, il va tomber et tout. Regardez comment il se déplace. On dirait qu'il glisse, mon gars. On dirait qu'il glisse sur le sol avec ses sabots. Putain, j'ai soif. Eh ben, ça tombe bien, tiens, regarde. Oh, c'est terrible. On va pouvoir boire un coup. Voilà, c'est parfait. Par contre, ça manque des vêtements, des chaussures et tout, tu vois. Bon, attendez, c'est pas grave. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire genre plusieurs puits en bois. Genre, je vais en faire 3-4. Hi, pi, 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 pi. Et moi, Pufi. Enfoiré! De l'enfoiré! Viens ici! Tchuss! Saloperie, va! Putain, bon, alors je sais que c'est un peu barbare, les mecs, mais c'est la c'était la tradition dans l'ancien temps! Espèce d'enfoiré, va! Alors? Non, mais oh! À quelle heure? Eh ben voilà, mon gars! Nickel, il ne reste plus qu'un truc à faire, survivre pendant une saison. L'histoire de Nigost. Parler à Dobroniega. Ok? Oh là là. Yes, nouveau bâtiment, pavillon de chasse déverrouillé, mon gars. Allez, on ramasse plein de bâtons pour fêter ça. C'est quand même un événement. Hein. D'ailleurs, tiens, on va aller regarder dans notre cage à lapins s'il s'est pas fait prendre. Ouais, il s'est pas fait prendre. Hein. Il s'est pas fait prendre. Pas encore, ça va venir, ça va venir, ça va venir. J'en ai 71. Voilà, vous voyez, en fait, c'est un petit bâton. Et là, en fait, si je le ramasse, il y en a 71. Donc, faut vraiment pas que je le perde, quoi, tu vois. Il est vraiment tout petit. Donc, j'imagine que ça fait pareil avec les pierres ou quoi. Tu peux les stacker par l'eau de... Bah, par l'eau de beaucoup, très certainement. Voilà, là, c'est pareil. J'ai ramassé quelques pierres. Donc, admettons, je fais ça. Voilà. Et ici, j'ai directement 17 pierres. Ok, vous voyez, j'ai déjà du stuff ici. Hein. Parler à Dobroniega. Donc, ça doit être là-bas. Hein. Attends, je peux passer par là directement, mon gars. J'ai essayé de prendre un raccourci, mon gars. Je suis sûr ça passe, là. Voilà, je passe. Oh, ah, première fois que je perds de la santé, les mecs. Première fois que je perds de la santé dans le jeu. D'ailleurs, il me fait un tuto, là, tu vois. Se battre, tomber ou ignorer les statuts négatifs peut vous faire perdre de la santé. Si vous perdez toute votre santé, vous mourrez. Vous régénérerez votre santé en dormant dans votre lit, en mangeant des herbes curatives ou en buvant des potions d'herboriste pour soigner les blessures. Ok, bon, bah, au moins, maintenant, je le sais, tu vois. Oh, Dobroniega, c'est toi? Alors, salut, vous êtes Dobroniega, n'est-ce pas? Heureux de vous rencontrer, je m'appelle Rassimir. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Unighost m'a dit que vous pouviez me préparer à manger. Je n'ai pas mangé de vrai repas depuis des semaines. Eh bien, ça dépend de ce que vous entendez par vrai repas, mais je peux au moins vous offrir un plat bien chaud et consistant. Ça a l'air vraiment incroyable. Et voilà, maintenant, dites-moi quelque chose sur vous. Comment connaissez-vous mon mari? Il n'y a pas grand-chose à dire, vraiment. Je suis venu dans la vallée pour retrouver mon oncle Lordan. Je ne m'attendais pas à cette quête prenne fin aussi vite. Oh oui, c'était un ami d'Unighost. Je me souviens avoir entendu qu'il avait les mêmes yeux que vous. Toutes mes condoléances. D'accord. Parfait. Ah bah voilà, l'histoire d'Unighost. Livré à Unighost. Aldavoine x2. Bon, j'en ai 6. Ah bah il est juste ici en fait. Il est derrière le studio. Il écoutait la conversation. Qu'est-ce t'en dis? Eh ben, il en dit que c'est bon mon gars. Ok. Quête mise à jour. Attendre le lendemain. Bah écoute, je vais aller me coucher. Je vais rentrer chez moi. Je vais pas attendre sagement, tranquillement comme ça. Notre maison qui se trouve vers le sud. Ah oui, mais la maison, elle est notée sur la boussole en fait. Bah, je crois qu'elle est notée juste quand tu te rapproches. Bon, du coup, nous voilà rentrés à la maison. On va dormir. Bon, dans le lit double, pourquoi se priver? Alors, ok, dormir jusqu'au lendemain. Ah bah, c'était très rapide. J'ai même pas eu le temps de vous dire bonne nuit. Ok, on est déjà le lendemain. C'est parfait. Donc maintenant, on peut retourner voir Unighost. Parle à Unighost. Oh, regardez. Un renard. Saloperie, va, tu t'en tires bien. Tu t'en tires bien, mon salaud. Attends, quoi que... La chasse n'est... Mais il se fout de ma gueule, en plus. Il se fout de ma gueule. Tu vas voir, si tu fout de ma gueule longtemps, mon vieux. Oh, le bâtard, il m'attaque. Oh, il m'a attaqué. Et voilà. Alors, impeccable. Désolé mon petit, c'est pour le bien de la survie. Qu'est-ce qu'on a gagné? On va peut-être pouvoir se faire des moufles en peau de renard, non? J'en sais rien, je vous dis ça, mais je ne sais pas en fait. Alors, du cuir, de la fourrure. Et bah voilà, tu vois, je l'ai pas tué pour rien les mecs. Maintenant, on peut aller voir Unighost. Est-ce que ça marche si je mets un coup de hache à quelqu'un? Je suis sûr que ça marche, gros. J'ai pas envie d'essayer. Je vais encore niquer ma game, tu vois. Ça va être sûr. Je suis sûr que ça marche si je mets un coup de hache au petit. Ce serait... tellement malsain, mon vieux. Je vais pas faire ça. Alors, Unighost,
On peut dire que la vallée m'a bien gâté. Eh ben oui, tu m'étonnes, mon gars. Je viens de croire. Par contre, j'ai pas tout mon temps aujourd'hui, s'il te plaît. Voilà, je t'ai ramené. Oh. L'histoire d'une ghost. Parler à Sambor. C'était super tendu parce que le temps que je passe le truc avec les boutons de la souris, j'ai failli mettre un coup de hache. On essaye ou pas? Putain, j'ai envie d'essayer. Ça va, ça marche pas. C'est bon, ça marche pas, les mecs. C'est tellement dégueulasse ce que je fais. C'est bon, ça marche pas. Voilà, au moins on le sait. Ah. Par contre, sur la table, ça marche. Ok, donc, parler à Sambor. L'histoire d'une ghost. Ouais, c'est à 700 mètres, mon gars. Il y a pas moyen de crafter un cheval et tout après, ou je sais pas. Bah, il y a des écuries, donc il y a moyen de faire un truc, tu vois. Ok, nous y voilà. On a tout traversé. C'est impeccable. Donc, c'est à 500 mètres. En tout cas, ouais, comme je vous dis, la map a l'air vraiment grande. Hein. Bon, ça a l'air un petit peu vide aussi, mais... En même temps, non, ça va, bon, y a quelques maisons qui se promènent et tout. Ça n'a pas non plus l'air moins vide que, par exemple, Kingdom Come Deliverance. Et Kingdom Come Deliverance, les mecs, il est vraiment excellent comme jeu. C'est un jeu que je ferais bien en stream, si ça vous intéresse. Je ne l'ai jamais fait. Bah, j'ai déjà joué un petit peu, tu vois, mais j'ai jamais été très loin, quoi, tu vois. Et je kiffe bien, moi, cet aspect médiéval et tout. Est-ce que j'ai un truc à grailler des fois? De la viande, ouais, mais elle n'est pas cuite. Du porridge. Ça, j'imagine que ça se mange. De la viande, il faudrait qu'on la fasse cuire. Bon, je pense que du coup, on va arriver sur un nouveau village d'ici 200 mètres. Tout à l'heure, on va se faire agresser par un ours, mon gars. Ça va nous sauter dessus. On va rien comprendre de ce qui nous arrive. Là, regardez, nouveau village, les mecs. Eh ben voilà, c'est très certainement à lui qu'il faut que je parle. Oh, il regarde pas, j'y prendrais bien son couteau, tu vois. Mais bon, allez, vas-y, on va te parler. Oh, comment qu'il s'est levé d'un coup, mon gars, Sambor H54. Je crois que vous êtes perdu, mon garçon. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Attendez un peu, regardez-moi dans les yeux et arrêtez de trembler, bon sang. Ah, noir et bleu, vous êtes de la famille de Lordon, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Rassimir, vous devez être Sambor. J'ai parlé à Inigas, il m'a dit que vous faisiez aussi partie des rappels. Et comment savez-vous ça? Partie de quoi? La bande, celle avec Inigas et Lordon. Je n'ai jamais entendu ce stupide nom de ma vie. Oh, pardon, j'ai peut-être fait une erreur. On s'appelait le Point Immortel. En voilà un beau nom. Tenez, prenez cette pelle. C'est de la camelote, mais ça fera l'affaire. Il y a des dépôts d'argile derrière ma maison. Allez-y et récupérez un peu d'argile pour moi. Je m'en occupe. Ok. Eh ben voilà, mon gars. Déterrer des dépôts d'argile. Bon, en principe, j'avais déjà une pelle en bois. Tu me diras, j'en aurai deux maintenant. Donc, il faut qu'on déterre des dépôts d'argile. Ça doit en être ça, je pense. Gisement d'argile. Est-ce que c'est réellement comme ça? Ah ouais, c'est comme ça, mon gars. Ok, d'accord. Ok, c'est comme ça. Je me demandais... Oh, c'est quoi ça? Je prends. Petite... Ouais, je prends. Ça fera de la décoration chez moi. Bon, je vais pas non plus toutes les ramasser. Voilà, on va prendre ça. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a un pourcentage quand tu creuses. Et voilà, mon gars. Nickel. L'histoire de Nigor. Livré à Sambor, 5 argiles. Sambor, j'ai ce qu'il te faut, mon gars. Ah ben voilà, mon gars. On a livré l'argile à Sambor. C'est impeccable. Donner le coup de poing à Unighost. On est parti donner un coup de poing à Unighost cette fois-ci. Ah, moi, je m'exécute, les mecs, hein. Donc là, faut qu'on retourne au village et qu'on donne le coup de poing à Unighost. Alors, le coup de poing, ouais. Bah, écoutez, pourquoi pas. Par contre, j'ai super faim. Faudra qu'on retourne à la maison aussi. Impeccable. On est retourné au village. Unighost, il doit être dans le coin. Je le reconnaîtrai parmi mille. C'est lui. Je dois te donner le coup de poing. Bonjour, j'ai parlé à Sambor. C'est toujours un plaisir de vous voir, Rassimir. Le plus adorable, comme un petit chaton. Bef, Sambor, quoi? Je vois, il m'a parlé de mon oncle. Cela dit, l'histoire du Seigneur des Vergers. Oui, vraiment, un coup de poing. C'est ce que vous voulez? Oui, ça ressemble bien à Sambor. Alors, vous allez m'en donner un? Bien sûr, j'adore qu'on me cogne dessus. Tout le monde le sait dans la vallée. Est-ce que vous pourriez le faire gratuitement? Cela dit, mon budget n'est plus ce qu'il était. Non, pas vraiment, vous êtes dur de la feuille. Vous n'allez frapper personne, c'est clair. Mais s'il demande, je vais lui dire que vous m'aviez assommé par curiosité. Qu'est-ce que Sambor vous a dit concernant son arrivée dans le groupe? D'accord, mon gars. Ok. Reprendre le faux d'Unighost à LDA. La faux. Bon, attends, déjà, faut que j'aille à la maison parce que j'ai super faim. Est-ce que, par exemple, là, je vois ma maison comme ça? Est-ce que je vois ma maison à la boussole? Non, je la vois pas, vous voyez? C'est bien ce qui me semblait. Donc, faut vraiment qu'on soit assez près, en clair. C'est un petit peu vers le sud-ouest. Voilà, en même temps. Ouh, tiens, le petit lapin, là. Je vais voir s'il y en a pas un qui s'est pris dedans. Eh ben, bien sûr qu'il y en a un qui s'est pris dedans, mon gars. Collecté, évidemment. Alors, du coup, je pense qu'ici, on va pouvoir faire de la viande, très certainement. Autre. Pour Idridge, ok, d'accord, ouais, ça manque des ressources et tout, bon, c'est... Ok, tout est cadenassé, quoi, donc je pense que ça se fait pas comme ça, du coup, on va peut-être pouvoir faire un feu de camp ici, je sais pas, voilà, feu de camp, il me faut 16 bâtons, normalement, j'en ai ici, voilà,
Ah, et je peux pas. Ah, si, je peux le poser sur la route quand même. Voilà, admettons, tiens, je veux le poser ici. Voilà, torche requise. Alors, on va faire une torche. Hop, ok. Allumer le feu. Fabriquer. Viande grillée. Ah, ouais, ok, d'accord. Ok, vas-y, fais-en une deuxième. Ah, c'est bien foutu, hein. Et là, normalement, je peux manger viande grillée. Ouah, comment ça remonte pas grand-chose, mon gars. Bah, je vais tout faire griller. Ah, il est parti pour faire griller 17 viandes, là. Impeccable. Donc, bah, je mange tous les mecs, hein. On va tout manger. Hop. Allez, la totale, la totale, la totale. Quoique, voilà, j'en garde deux sur moi. Je pense qu'on va pouvoir aller se coucher maintenant. Est-ce que je peux éteindre le feu? Non. Bon, ça va rester... Bon, ça va se consumer tranquillement. Voilà, hop. Est-ce qu'on peut dormir? Dormir jusqu'à la prochaine saison? Ah, ok, d'accord. On peut que dormir jusqu'à la prochaine saison. Bon, tu me diras, on a bien bu, on a bien mangé. Est-ce que ça va le faire? Quête échouée, petit jardin. Oh, merde! Ah bon? Chapitre 3, bonjour chers voisins, terminez quelques quêtes pour vos voisins. Flirt réussi 0 sur 1, chapitre 3, terminé. Ok, d'accord. Oh merde, j'ai loupé la quête du petit jardin. Ah oui, mais je savais pas par contre. Bon, c'est pas grave. C'est quelle saison là? C'est une saison qui a l'air assez assez fraîche, non? On est en été, pas du tout. C'est une saison qui a l'air plutôt chaude même. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo sur Medieval Dynasty. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, vous le savez. Et puis, nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde! Allez, bye!